Moi c'est Romain et lui c'est Quentin. On vient du collège Jean Arnaulet de Saint-Sauge, nous sommes en classe de 5e. Et on a créé ce projet grâce à notre professeur de maths qui nous a beaucoup parlé de Scratch. Il y a aussi notre compagnon Teva qui n'est pas là ce soir parce que demain il part très tôt et du coup il n'a pas pu venir, mais il nous a beaucoup aidé aussi pour le projet. Et vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez fait sur Scratch ? On a utilisé Scratch pour faire une sorte de petit jeu qui consiste à trier les déchets, car on voudrait toucher les plus jeunes personnes, car ce qu'on fait, ce qu'on apprend dès le plus jeune âge devient automatique après dans la vie. Scratch, c'est un logiciel pour programmer très facilement. C'est notre professeur de maths qui nous l'a appris en 6e. Et nous, avec Romain et Teva, on a tout de suite aimé. Et à la base, ce jeu, on l'avait créé pour en classe, pour montrer à notre professeur de maths. Et puis, on a entendu parler des concours et du coup, on s'est dit, autant tenter. Et puis, on a créé ce mini-jeu. Vous avez fait d'autres jeux sur Scratch ? Oui, mais pas des aussi élaborés que celui qu'on a présenté aujourd'hui.